Depuis ce lundi matin, ils sont au total 82 938 candidats à l'assaut du baccalauréat session de juin 2021. Après 4 heures de composition, les candidats apprécient la première épreuve de la journée. Ce matin, de 8h à 7h-ci, nous avons composé l'épreuve de français. Et bon, l'épreuve n'était pas si difficile que ça, c'était une épreuve abordable et je pense que j'ai fait de mon mieux. Sur les 3 sujets, moi j'ai fait contraction de texte et puis c'est abordable, j'ai bien compris quand même. Et puis j'ai bien développé la discussion. Pour cette première épreuve, moi j'espère avoir 14. Je pense que l'épreuve est vraiment abordable, c'est très facile à comprendre. L'épreuve parlait du diplôme, donc j'ai traité la contraction de texte, c'était abordable quand même. Tout est abordable, c'est pas difficile comme on pensait. Bon, c'est facile selon moi. Comme d'habitude, c'est la contraction que j'ai fait. Bon, je peux espérer avoir 15, 14. Selon moi, si les correcteurs sont un peu... Si elles ne sont pas dues avec nous, je peux avoir 14, 15. Pour le reste des matières à composer dans l'après-midi de ce jour, ainsi que les jours à venir, ils misent tous sur l'abordabilité des épreuves. À la suite, que les épreuves à suivre soient abordables comme le français. À mon souhait est que les autres soient aussi abordables, comme le français. J'espère que ce soit toujours facile comme ça, comme le français. C'est ce que je souhaite. Que Dieu m'aide à comprendre comme j'ai compris le français comme ça. La seule chose que je peux dire, c'est que ce que nous avons tous appris, ce qu'il y a dans nos cahiers, c'est que ce qu'il y a dans nos cahiers sorte et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour notre réussite. Rappelons que la phase écrite de ce premier diplôme universitaire a été officiellement lancée dans la Donga par les ministres Eleonore Yayi et Yves Kouaro Tchabi.